Bonjour, c'est Kelly, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau tutoriel spécial Halloween. Comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, j'ai bien fait un petit changement capillaire en brun, mais c'était juste le temps d'un tutoriel. Pour commencer, je vais tout simplement prendre ma cire à effet spécial et je vais la malaxer pour obtenir une petite pastille que je vais ensuite tout simplement teinter à l'aide de mon gros pinceau et d'un fard orangé ainsi que d'un fard jaune. Pour lui donner un peu plus de réalisme, je vais utiliser aussi un correcteur à maquillage vert. Je roule la petite pastille sur elle-même, ce sera plus facile ensuite pour l'appliquer sur le visage. Je dépose du Qualitint avec une éponge alvéolée pour parsemer de ci de là un peu de sang. J'en rajoute ensuite du fard noir sur les extrémités. Et voilà, maintenant je vais le laisser de côté. Je prends un petit morceau de ma cire à effet spécial. Bien entendu, j'utilise ici des produits faits maison, mais vous pouvez tout à fait prendre des produits du commerce. C'est exactement le même principe et la même technique. Je vais essayer de l'étaler pour former ma blessure. Pour plus de facilité, je la travaille à l'aide d'une petite spatule. Mon but est de créer plus de relief et donc d'épaisseur sur les deux côtés de la blessure. J'applique ensuite au gros pinceau un fard orangé pour teinter ma cire. Et ensuite, à l'aide d'une petite éponge, je viens fondre la matière. J'applique ensuite du Qualitint avec mon éponge alvéolée et je viens redéfinir les contours de la blessure en son centre à l'aide d'un pinceau liner et de fard noir. J'ajoute ensuite un petit peu de colorant rouge baiser. J'ajoute au pinceau de précision un fard foncé chocolat. À l'aide de l'éponge, je fonds la matière. Maintenant que ça a pris forme, il est temps de venir positionner, vous savez, le petit boudin de cire que nous avons façonné tout à l'heure. J'utilise la spatule pour m'aider à le poser et je l'ai préalablement imbibé avec ma colle naturelle. Vous avez toutes les recettes des produits que j'ai utilisés en barre d'informations, mais si vous préférez, vous pouvez tout aussi bien utiliser de la colle à fossiles. Je veux ici, dans ce maquillage, donner l'illusion qu'un morceau, un lambeau de peau s'est complètement déchiré. Je viens donc travailler la coloration qui est aux alentours du petit morceau de cire et bien sûr la cire elle-même, toujours en rajoutant du Qualitint, en utilisant également du fard marron foncé et du fard noir. Le but dans ce genre de maquillage est toujours de bien travailler la mise en relief. Comme vous le voyez, c'est quand même relativement simple à réaliser. Pour accessoiriser ce make-up, j'ai aussi réalisé différentes blessures et bien sûr, je vous propose de retrouver très prochainement les tutoriels en vidéo. Pour celles et ceux qui aiment les maquillages plus simples ou bien tout simplement qui font un peu moins peur, j'ai pensé à tout cette année, restez bien connectés et suivez Kelly Beauty. J'ai hâte de voir toutes vos recréations, n'hésitez surtout pas à poster tout plein de photos avec le hashtag Kelly DIY. J'espère que cette vidéo vous a plu, bien entendu je vous invite à la liker et aussi à la partager auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. A bientôt les Kellynettes. Ready for the hardcore.